accomplissement, sa recommandation, Père de gloire. Je te prie, Seigneur le Seigneur, qu'il soit revêtu de ton esprit, qu'il soit revêtu de ta puissance, qu'il soit revêtu de ta gloire, Seigneur le Seigneur. Merci. Car la Bible me dit, poussé par ton esprit que les hommes de Dieu ont parlé de notre part, Seigneur le Seigneur. Donne-lui la sagesse et l'intelligence que le monde peut donner, Père. Et parle de sa connaissance et son intelligence. Mais qu'il soit rempli de ta connaissance, de ta puissance, de ton intelligence, Dieu des beaux. Nous le remettons, nous l'abandonnons entre ta main sainte, afin que toi, Saint, sois son maître, parle à travers lui, Père Céleste. Inspire encore davantage ta parole au nom de Dieu. Jésus, je te bénis parce que tu es merveilleux. Gloire à toi. Gloire à toi, Père Céleste. Oui, toi qui as mis des siens par, Père Céleste. Père, je le confie cet après-midi entre ta main sainte. Oui, merci, parce que tu es merveilleux. La Bible me dit, c'est toi qui veille à ta parole. Veille à ta parole cet après-midi. Alléluia. Cette parole qui a bouleversé le monde. Cette parole qui a bouleversé le monde. Bouleverse maintenant le monde. Oh Jésus, sois béni. Je te bénis parce que tu es merveilleux, Père. Ainsi que j'ai pris au nom glorieux de ma vie, de ton Fils et du Père. Amen. Amen. Pendant que nous appelons le nom de Dieu, nous applaudissons le Seigneur. Amen. Amen. Oh, sois béni, Seigneur. Merci. Amen. Tobete lisi sou mzambe li mambo kou makas. Lelo, tou zaka an atem, nan biso kou tou zoye kou la. Tem nan biso kou tou zoye kou la, kaka pon atem nan lipa mboli. Lanzo tim a es zeik nou de maman. Lipa mboli. Zeik nou. Wir haben es in verschiedenen Arten der Zeit. Wir wissen, jemand, der gesegnet ist, er hat eine Kraft in sich. Er hat eine Segnung in sich. Weil überall, wo er hingeht, da sind die Türen geöffnet. Weil er eine Segnung in sich hat. Einer, der keine Segnung in sich hat, wir können sagen, die Türen sind geschlossen. Aber jemand, der eine Segnung hat, überall, wo er hingehen wird, da sind die Türen geöffnet. Weil er eine Segnung in sich hat. Halleluja! Amen. Wir haben es euch so ein bisschen erklärt. Isaac und Rebekka. Sie waren in ihrer Ehe sehr lange und sie konnten keine Kinder bekommen. Sie haben 20 Jahre gemacht und sie haben keine Kinder bekommen. Aber sie waren immer noch, haben immer noch nach Gott geschaut, dass sie ihnen ein Kind gibt. Aber weil Gott ein barmherziger Gott ist, so ich will ihnen Kinder geben, hat er ihnen Kinder gegeben, mehr. Halleluja! Amen. Er hat ihnen Kinder gegeben. Wenn wir hier gucken, diese Predigt hier, sehen wir, die zwei Kinder im Haus, der Vater nahm ein Kind und die Mutter nahm ein Kind. Und im Hause war eine Trennung. Und in dieser Trennung sehen sie sich gut. Oh, Halleluja! Ihr könnt sehen, im Haus ist er gut. Der Vater hat ein Kind, das er mag. Und die Mutter hat ein Kind, das sie mag. Und es passiert oft.
Und darum sagte ich, das ist nicht gut. Wenn du ein Kind bekommst, Vater, liebe alle deine Kinder. Halleluja. Amen. Liebe alle deine Kinder gleich. Nicht wollen, dass du jemanden einmal so arg liebst. Und die anderen nach so Rebecca, und Isaac, sie haben die Kinder aufgeteilt. Und dann, als wir weitergeguckt haben, in der Bibel, da haben wir die Konsequenzen gesehen. Halleluja! Amen. Die Konsequenz vom Vater und von der Mutter. Es hat eine Katastrophe ergeben. Halleluja! Gott hat die Familie schon gesegnet. Jede Familie am heutigen Tag es hat eine Segnung in sich. Oh, Halleluja! Amen. Keine Familie, die hier auf dieser Erde ist, hat keine Segnung. Nein. Ein Kind muss Gott. Halleluja! Er muss segnen. Aber das Wichtige daran ist, du Vater und du Mutter, wenn ihr Kinder bekommt, seid mit allen zusammen und trennt die Kinder nicht. Macht keinen Streit in den Kindern. Wir sehen es oft. Mutter mag nur ein Kind und die anderen Kinder mag er nicht. Und wenn sie nach Hause kommt, nein, und sie kommt wieder, was ist los? Warum kommt sie so früh? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir haben das oft gesehen. Diese Familie, die haben Kinder, die krank werden. Wenn dieses Kind oft in der Familie krank wird, und dann gibt man den Namen, sie ist schon längst gestorben. Kann man ihr wirklich ein Segen geben, was sie schon längst gestorben hat? Halleluja. Dein eigenes Kind, was du auf die Welt gebracht hast, aber du hast schon den Namen verändert. Und du gibst ihr den Namen, du bist doch schon längst gestorben. Und warum, wenn sie jetzt gestorben ist, warum wirst du dann weinen? Du wirst sehen, Vater und Mutter und die Schwester, wenn kommen, die schon gestorben kommt. Halleluja. Das ist schlecht. Wir werden in der Bibel lesen. Wir werden uns auch wirklich fortführen. Wir sind immer noch in Moses 27. Genèse 27 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te recommande, je te commande. Va me prendre au troupeau des bons chevaux. J'en ferai ton père aimer comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, et le venu. Je n'ai point de poids. Peut-être mon père me touchera-t-il et il passerait ses yeux pour un menteur. Je passerai à ses yeux pour un menteur et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va
mais reprendre. Jacob alla reprendre et apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimé. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et les a mis, et les a fait mettre à Jacob, son fils cadet. Pardon. Alors couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poil. Et il plaça dans la main de Jacob, son fils l'aimé, et le pain qu'il avait préparé. Il vint vers, verset 18, il vint vers son père et dit, « Mon père, et Isaac, mais voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Amen. Amen. Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, alles Böse soll zu mir kommen. Oh, Halleluja! Amen.
Oh, papa, le bon Nicolas. Maman Père, il a qu'à soi révélation. On dit, il a qu'à soi révélation.
Tous les jours, une place sur la jeunesse, tous les jours. Oui, 20 à verset 20 à combien? 20 à 26, papa Kaka. Verset 20 à 26, je dis au nom de Jésus. Bible, le vini. La Bible nous dit, Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu t'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob. Oh, alléluia. Mais les mains sont les mains d'Esaü. Oh, alléluia. Il ne me reconnut pas, parce que le maître de Esaü, son frère, et il est béni. Il dit, c'est toi qui es mon fils, Esaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils. Enfin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea et il lui apporta aussi du vin et il vit. Papa, voilà, que bêtise nous amène encore. Alléluia! Au revoir! Que vous Bible n'est-ce pas pour le voir la Bible nous dit. Que nous voir, Jacob, le coup là, à ce moment-là, il n'y a pas. Comme il a reçu de la maison. Alléluia. Dieu vraiment connu. Alors mais Dieu n'a eu au lieu de ce qu'il a eu. Donc Dieu que tu m'as donné. Après il a eu bam. Il m'a envoyé rapidement quoi. N'a pas la joie. Moi je reçois. N'a joie. Je reçois. Y a pas la naïve n'ango. Et c'est pour ça que je l'ai amené. Quasi. Papa Awa. Et papa ici. Nous avons formulé les matières. A ouvert les oreilles. Nous avons formulé les matières. Dieu elle a ouvert les oreilles. Alléluia. Oh. Moi la langa. Il a dit mon enfant. Mon enfant. C'est toi que j'entends ici. Je parle la voix de Esaü. Oh mon bongo ya Jacob. Ça c'est la voix de Jacob. Alléluia. Alléluia mon bongo na yé. Ta voix. Esaü à Jacob. C'est la voix de Jacob. Kasi. Mon bongo Esaü. Aber die Stimme ist von Jacob. Et c'est la voix de Jacob. Kasi. Aber. Pour ce qui est de la vie, c'est le poil qu'on avait dans ce pont. Oh, maman était vraiment sage. Elle s'est préparée. Elle a tout préparé. Ah, pour qui c'est que les gens m'ont Elle a bien préparé son enfant.
Et savez comment c'est menti. Ah, pour qui c'est qui déjà bien calculé. Il a bien calculé. Tu as voulu le diable, quoi. Est-ce que tu as bon. Tu bon. Tu as bon. Tu bien. Tu as bon. 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 Tu as Alors si elle est sur elle la maille moine. La Bible nous dit, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint à la chasse. Il fit aussi un mets, il porta son père et dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, enfin
ton âme me bénisse. Isaac, son père lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Esaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté, je mangeais de tout avant que tu viennes. Et je l'ai béni. Aussi seras-tu béni. Lorsque Esaü entendit la parole de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Je vais te dire, ma casse. Hat man ein Brown gekauft? Ein White Car?
Cet enfant, il passait à Brazzaville, Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque Esaü entendit la parole de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Verset 36, Esaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, il a supplanté deux fois. Il a enlevé mon doigt d'ânesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Isaac répondit, et il dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esaü dit à son père, N'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse et de la terre et de la rose du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça, et tu briseras sa joue de dessus de ton cou. Papa, voilà. Tu obéis à l'invitation de ma voix comme un casse. Alléluia. Ah, ou à ta joue comme un homme. T'as tellement moins.
Papa lui a dit son fils. Que le bas Esaou a zolé là. Esaou plairait. Quel Dieu n'a mon père et moi. Quel Dieu m'en l'a amouté le plus. Le fils qui est parti. Quel Dieu n'a pas dit que tu m'en Papa dit que je n'ai plus rien. Mais on te fait la pésillée. Tout ce que j'avais jeûné dans le monde. Mon père ne fait qu'une partie. Et comme il y a beaucoup de là, quelque chose comme je ne sais plus comme ça. Et tu as ici, je ne sais plus ce que c'est que Dieu. Si on a lu la Bible dans les commentaires, si vous suivez dans la Bible dans les commentaires, la bénédiction. Oh, yo, papa, qu'est-ce qui est Zahou? Papa, Zahou. Et elle dit à nous autres aussi. C'est une bénédiction. Pourquoi il y a des pouvoirs dans les nuances? Parce que tout ça touche au pouvoir. Et puis il y a Yacob. Il y a tout ça Jacob. C'est quoi? Et l'homme, vous avez dit qu'il y a des gens qui ont été soutenus. Il y a des gens qui ont été soutenus. Vous avez dit qu'il y a des gens qui ont été soutenus. Donne-moi ce malade. Mais il y a des gens qui ont été soutenus. Il y a des soupes. Même la soupe. Il y a des soupes. Même la soupe, c'est arrivé. Toutes les bénédictions que Jacob a reçues. Jacob s'approcha et le baisa. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et il dit : voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que le peuple te soit soumis, et que les nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que le fils de la mère, de ta mère, se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quand tu te béniras. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, que Esaü son frère est venu. Alléluia, papa, voilà. Béni la Jamais, papa, comment ça se passe? Alléluia. Il n'y a aucun pamboli. Il n'y a pas de pamboli, oh yo. Quelqu'un m'a mis la caméra à Esaü. Ah, réservez ça à Esaü. Alléluia! Il est pas maudit! Il est dans la maison!
Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in den heiligen Schriften vorausgesagt ist. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für dich bereit, die ihn lieben. Amen. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ce qui est, ce qui l'aime. Amen. Amen. Maman, tiens-moi sur la lingale. Amen. Maïe,
kasi esalani ndenge ekomama makambo oyo moto moko te amona to ayoka oyo moto moko te akanisa nzambe asi abongisa yango mpona bato oyo balingaka ye. Alléluia! Makambo oyo nzambe abongisa moto moko te aliyebi yango abongisa makambo ya minene alingi te bato ya mokili oyo bayeba yango epona ngai epona yo epona lingomba epona libota na yo eza na makambo mingi nzambe abongisa alingi te bato bayeba yango soki bato bayebi yango